Bonjour tout le monde, bienvenue à l'achat au jeu de figurines à papa. Bonjour à tous, bienvenue à l'assaut des jeux de figurines, la chaîne YouTube que vous adorez, en tout cas j'espère. Aujourd'hui, on s'attaque au kit premium numéro 3 dans la collection Warhammer 40 000 Conquest de chez Hachette Collection. Donc j'avais déjà pu réaliser un numéro 1 et un numéro 2 il y a quelques mois maintenant. Et donc, comme j'ai reçu le kit numéro 3 et que ben, je vois que vous avez été nombreux à regarder et à être attiré par le contenu de ces kits, je me suis dit, voilà, aujourd'hui, je vais faire la vidéo numéro 3. Alors, excusez déjà cette voix un petit peu enraillée, puisque, ben voilà, c'est l'hiver, en tout cas, au moment où j'enregistre cette vidéo, et il y a quelques microbes qui courent. Désolé tout le monde, mais j'ai donné mes microbes à papa. Alors, comme à chaque kit, on a déjà une grosse boîte que vous venez de voir. On a également un set de dés. Donc cette fois-ci, on a des dés jaunes. Alors je pense que pour le dernier kit, on aura des dés verts, puisqu'il y a 4 kits dans la collection Warhammer Conquest de chez Hachette. On a eu donc les dés bleus, on a eu les dés rouges, et voici donc les dés jaunes. Donc je mets ma main à couper que la prochaine fois, on aura des dés verts. Alors, dans ces kits, moi, ce qui me plaît et que j'affectionne particulièrement, vous le savez si vous avez vu la première et la seconde vidéo, c'est surtout ces beaux terrains, en tout cas ces beaux plateaux de jeu que l'on reçoit, cartonnés, très très bien faits. Alors, on les reçoit déjà au format papier dans la collection et dans les numéros de chez Hachette, dans les kits premium, on a donc le plaisir de recevoir ces fameux terrains donc cartonnés, vraiment très très bien fait. Donc voilà, ça se déplie. Alors je galère un petit peu là à les déplier, ça se voit peut-être pas à la caméra, mais bon, je galère un petit peu à les déplier, mais on a vraiment de très 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 beaux terrains qui sont donc du coup de très bonne qualité et qui valent ben, à eux seuls, je pense, l'abonnement. Je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo et effectivement je réitère mon avis, puisque les éléments, en tout cas de terrain, sont vraiment très très bien. Voilà, alors l'angle de la caméra ne permettra pas de voir le terrain en entier, mais je vais essayer, voilà, de vous le faire un petit peu défiler. Vous voyez qu'il est quand même immense. Donc pour vos parties de Warhammer 40 000, ou même de Kill Team, ou même de Warcry 40K, on en parlera en fin de vidéo. C'est vraiment, voilà, juste ce qu'il faut. Oui, c'est juste trop top. Eh oui, ma fille le dit, donc effectivement, c'est sûrement vrai. Donc voilà, donc je vous ai montré le recto, voici donc le verso, et après, voilà, le petit truc sympa, c'est pour ranger tout ça. Ça prend pas de place. Ça se replie facilement, enfin presque. Et surtout, ça peut se ranger aussi dans la boîte que vous avez reçue avec le kit premium. Donc moi, ces boîtes, oui, je m'en sers pour ranger aussi voilà, les figurines que je reçois. Parce que forcément, 4 numéros par mois, on n'a pas forcément le temps de tout peindre. Et dans ce kit premium, comme dans le numéro 1 et comme dans le numéro 2, on reçoit des jetons qui vont vous servir pour vos missions. Si vous jouez avec les missions donc, que vous recevez avec les fascicules, on a donc des jetons de blessure, des 1, des 3, des 5. On a des pions pour les retraites, le moral, la charge, des pions objectifs. On en a donc du coup pour les Space Marine et pour la Death Guard. Donc, comme le numéro 1 et le numéro 2, on a pas mal de petites choses. Il y a vraiment plein de trucs dans les colis. Et ce qui est très intéressant, justement, dans ces colis, c'est qu'on a les cartes pour jouer nos belles figurines. Dans toujours ce bel étui à l'effigie des Space Marines et de la Death Guard, qu'on va détailler ensemble. On a, du coup, pour la Death Guard, une carte de stratagème. On a également la carte de caractéristique pour le Rhino du Chaos. Alors, je vous mettrai les fiches en fin de vidéo. On a le Blackburst Crawler,
excusez mon accent anglais ch'ti à la fois. On a le Fated Blood Dawn. On a également les Cultistes du Chaos qu'on a reçus dernièrement. Et on a la belle bête qui est Typhus. Alors, on a bien sûr aussi des cartes pour les Space Marines. Donc, toujours le code couleur rouge derrière. Avec un lieutenant Primaris. On a l'escouade de scouts qu'on a reçu dernièrement. On a également le doyen Primaris. L'escouade à moto. Le Land Speeder. J'ai fait également un petit unboxing du numéro avec le Land Speeder dernièrement. Je vous laisserai regarder si vous le souhaitez. Et l'escouade de moto d'assaut. Voilà. Et la carte de stratagème également pour les Space Marines. Oui. Et on a du coup, voilà, la carte ici de stratagème noir cette fois-ci, qui est vraiment très très belle pour les deux factions. Voilà, donc un kit premium, donc toujours aussi bien fourni, donc à l'image du numéro 1 et du numéro 2. Moi je trouve que ça vaut le coup pour 2 € de plus par numéro. Moi ce qui me plaît bien sûr, ben, vous le savez, je vous le dis et je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, c'est surtout les plateaux de jeu. Les cartes c'est quand même un petit plus si vous, si vous jouez à Warhammer 40 000. En tout cas, version 8, bien sûr. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos. Il y a bien sûr bientôt une rétro unboxing avec des figurines Rackham qui arrivent. Et puis surtout, abonnez-vous. Ciao !